Ma maison est blottie au fond d'un beau vallon, à quelques pas du port, à l'abri des tempêtes. Et si le vent ignore le toit de ma maison, tous les jours les oiseaux viennent y faire la fête. Dès que l'hiver arrive, il y a les passereaux qui viennent picorer les miettes que je leur donne. Les bernaches me saluent, ainsi que les tadornes, les courlis, les pluviers et puis les bécassos. Ils sont partis pour des voyages auxquels nous n'étions pas conviés. Où sont-ils, en quel paysage ont-ils délacé leurs souliers? Ont-ils déposé leurs bagages à l'orée des grandes forêts? Ont-ils découvert les mirages pour lesquels ils nous ont quittés? Et quand je serai bien vieux, je rentrerai au pays, j'achèterai une maison, je deviendrai écolo, pour qu'on garde l'image qui était sur la photo, en me foutant des jeunes qui voudraient vivre ici. Quand toute la jeunesse aura foutu le camp, qu'on sera plus qu'entre nous, solitaires, vieillissants, on aura réussi, et c'est dans peu de temps, à faire de notre coin une usine à vieux cons. Ils n'ont pas tous eu cette chance, Tabarly ou Cola connaissaient si bien l'océan qu'ils sont restés dedans. Mais l'aventure a ses raisons que l'on ne connaît pas. Mais l'aventure un jour vous prend, on ne sait pas pourquoi.